Coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres concernant toujours le concours qui est en place jusqu'au 31 octobre pour mes 2000 abonnés. J'ai encore reçu tout plein de jolis courriers. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et on va commencer par ce courrier. Alors, c'est le numéro 19 cette fois, puisqu'on s'est arrêté au 18 la dernière fois. Pardon, tout d'abord, je vais vous montrer donc cette très très jolie carte. Je ne vous ai pas dit qui c'est, mais c'est vous la connaissez. Attendez, je vais essayer de regarder, je crois que c'est ça, mais je ne vais pas dire une bêtise. Voilà, c'est ça. Vous la connaissez sous le nom de Syl Lev, c'est Sylvie. Donc voilà, une très très belle carte avec un joli fond, je pense aux acryliques, du papier, de livres. Une colorisation du petit oiseau, elle est vraiment très très belle. Donc voilà pour sa carte, je vais la mettre ici. Ensuite, j'ai encore eu plein de jolies choses. Une très belle ATC avec un fond aux encres à alcool et je pense qu'elle l'a fait sur du rhodoïde et ça rend super bien. Elle est magnifique. Donc elle s'appelle Doudou. L'ATC, hein, pas Sylvie. Voilà. Et ici, donc, cette jolie petite ATG qui s'appelle GIS 2000. Voilà. Elle est de toute beauté aussi avec de la pâte de structure. Enfin, elle est vraiment très belle. Et on va finir par son tag pour le concours. Donc, effectivement, je rappelle que sur le concours, il faut nous faire un tag. Toutes les infos, je vais vous les mettre en barre d'infos ici dans le i concernant le concours. Et voilà ce tag de Sylvie qui est de toute beauté. Donc, et Sylvie n'a pas de chaîne. Non. Donc, c'est Syl Lev, on la retrouve sur Facebook. Voilà. Et ici, pour celles qui le connaissent, c'est le tampon que j'ai dessiné qui a été donc créé par la Compagnie des Elfes. Il est magnifique. C'est pas parce que je l'ai décidé, mais je trouve qu'il rend super bien sur ta créa, Sylvie. En tout cas, merci beaucoup. Je la mets ici. Je vais essayer de pas trop mettre de bazar cette fois. Voilà. Ensuite, la numéro 20. Alors, la numéro 20. Voilà. J'ai plein de choses. Hein. Une très belle carte. Voilà, ici, je vais pouvoir enlever le petit mot. Regardez cette magnifique carte avec le fond aux encres. Très, très jolie. Et l'intérieur, voilà, dans lequel elle m'a glissé son petit mot. Voilà, je n'ai toujours pas dit qui c'est, mais je vais vous le dire. Il s'agit de Patricia, Patricia P. Alors, est-ce que Patricia... Non, Patricia n'a pas de chaîne non plus. Non, non, non. Donc, c'est Patricia P. Et regardez le magnifique tag. Ça, si je ne me trompe pas, c'est un tampon Carabelle qui a été tout colorisé à l'aquarelle. Avec un très beau fond. Une pâte de structure ici avec... c'est une pâte colorée et métallique. Magnifique. Un très joli fond. Voilà. Donc, en voilà déjà deux qui sont de toute beauté. Alors, merci beaucoup à toi, Patricia, aussi, parce que vraiment, j'ai des petites choses aussi hein, que je ne vous ai pas montrées, mais j'ai plein, plein, elle m'a fait plein, plein de tamponnages qui sont super chouettes aussi. Très jolies. Merci beaucoup, Patricia, en tout cas, pour ça. Je te remercie. Alors, maintenant, on va passer au numéro 21. Il s'agit de Nicole. Numéro 21. Et alors là, je vous montre la petite pochette. Hop. J'ai tout d'abord une Memory Desk qui m'a vraiment fait sourire parce que alors, ce petit hérisson qui pédale pour emmener sa petite famille dans une boîte à eux, je trouve ça super joli. Elle est vraiment très belle. Toute colorisée à l'aquarelle. Ah, je sais pas. C'est peut-être au feutre à alcool. Oh non. C'est du papier. De l'aquarelle, puis c'est du papier aquarelle. Je ne saurais pas. Ça doit être de l'aquarelle, je pense.
Donc, voilà, très très belle. Et dedans, elle m'a mis tout plat de découpe. Ça, je l'ai mis de côté. Et sa petite carte, voilà, avec le petit mot. Et à l'intérieur, j'ai ceci. Avec la petite citrouille aux yeux dorés. Vraiment super sympa. Donc, voilà. Je remets ça dedans. Et je vais vous montrer le tag. Qui, lui aussi, est très beau. Vraiment, j'ai de la chance sur ce concours. Je reçois des créas de toute beauté. Alors d'abord, la pochette, puisque ce tag est dans une pochette avec des strass faits au pochoir, aux couleurs de l'automne. Et dedans, ce charmant petit garçon sur sa citrouille. Ici, on a des maisons. Là, c'est du papier paillettes. Ici aussi, un petit nœud. Très sympa. Alors, que je fasse pas de bêtises. Donc, Nicole P. Nicole. Non, Nicole n'a pas non plus de chaîne. Son pseudo, c'est Léonie. Donc, voilà. Magnifique. Le fond est métallisé. Très, très beau. Donc, j'enlève la Memory Dex. Je la mets ici. Et voilà, je te remercie beaucoup. Alors ensuite, on va passer au numéro 22. Et là, c'est Corinne. Alors. Corinne. Qui m'a fait ceci. Cette très jolie petite pochette. Voilà. Tac. Et voilà. Tout en automne, magnifique. Alors, je vais d'abord vous montrer ce qui n'est pas le tag. Et on finira par le tag. Alors, ici donc. C'est donc Corinne, c'est Coco Scrap Corinne. Regardez cet ABC magnifique. Fond aux encres à alcool, magnifique. Vraiment très 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 beau, les couleurs sont superbes. C'est de toute beauté. Je te remercie beaucoup parce qu'elle est vraiment très belle. Très très chouette. Après, j'ai donc une petite cartounette. Donc, cette petite cartounette, toujours réalisée par Corinne, est tout à fait dans les dimensions que j'avais données, avec ici un petit trou. Et Corinne, tu me poses la question à savoir à quoi sert ce petit trou. Eh bien, en fait, il sert tout simplement à accrocher tes cartounettes, voilà, comme ceci. Donc, avec un petit anneau, avec un ruban, avec tout ce que tu veux. Hein. Donc, tu vois, la tienne va venir aussi se mettre ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit trou. Donc, après, tu n'as plus qu'à les assembler. Tu peux les avoir tout ensemble. Alors, moi, je m'en sers effectivement pas pour faire des échanges. Je vous avais déjà expliqué. Mais pour mettre au dos comment j'ai créé justement ma cartounette, comment j'ai fait le fond, etc. Et puis, quand je suis en manque d'idées, eh bien, je feuillette un petit peu ça. Et puis voilà, j'ai toutes les infos. Donc, je repars sur un truc et voilà, c'est reparti. Donc, merci pour ta cartounette, en tout cas, parce qu'elle est vraiment super belle, avec ce joli petit chien de la compagnie des elfes aussi, bouille de canaille. Alors, ça, c'est vraiment vrai. Très, très mignon. Vraiment. Alors, ça, c'est Corinne, qui m'a fait aussi un petit clin d'œil girafe. Regardez comme c'est beau. C'est très, très, très joli. Donc, elle s'appelle Pour toi. Hop. Voilà, de toute beauté. Donc ça, ça. Et donc, maintenant, je vais pouvoir vous montrer le tag qui, lui, est ici. Très, très automnal, magnifique. Sorti dans les bois. Avec cet oiseau que j'aime beaucoup. Il est, je crois que c'est un Simon's Estamp. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. Ils sont plusieurs comme ça. Je les trouve superbes. Très, très beau fond à l'aquarelle. Magnifique. Alors, tes infos, tu m'as mis pseudo, donc Coco Scrap sur Facebook. Voilà. Donc, ton début, ouais, c'était du Chevy Vintage. T'es complètement parti en patouille, effectivement. Et tu l'as réussi super bien, parce que franchement, c'est super joli. Vraiment super beau. Donc, encore un beau tag, un magnifique tag de Corinne que je viens mettre ici.
et ceci à ranger dans la pochette. Voilà, je vous ai pas montré, mais j'avais à l'intérieur une très jolie petite coccinelle sur une pince. Regardez comme c'est joli. Donc voilà. Et donc le dernier pour cette vidéo, c'est le numéro 23. Hop, il s'agit de Anne-Marie. Anne-Marie connue sous le nom de Marie Calac, qui elle a une chaîne, donc Marie Calac. Je vais vous la mettre ici sur l'écran. Donc voilà sa jolie carte. Un papier embossé à froid avec, qu'est-ce que tu m'as dit, c'est des cires que tu as mis, de la wax rose et or. C'est super beau. Avec une très belle découpe d'oiseaux, tout en pailleté. Le support de la carte est bleu clair en fait. Et ça rend super bien. Voilà, et Anne-Marie aussi bien sûr m'a fait un tag magnifique. En plus, tu m'as fait des choses, c'est pas vraiment toi ton style, mais je pense que tu l'as fait pour me faire plaisir. Et sincèrement, je te remercie parce que connaissant ton style, tu as fait des trucs là super beaux. Voilà, donc on retrouve la même idée de fond que pour la carte, ce qui nous fait un joli duo. Avec le pinceau, ici à l'ancienne, le dos, qui lui n'a pas de cire, ce qui donne un contraste, c'est très sympa. Et ensuite, je vais finir par le tag qui est superbe. Regardez-moi ça. Alors, c'est vrai que Anne-Marie, je ne te vois pas souvent travailler ce genre de choses. Mais alors là, c'est beau. Hein. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Il y a des découpes, il y a du collage. Tu as découpé des lettres, tu les as colorisées, tu les as collées. Tu as mis du... Comment ça s'appelle? Du glossy sur certaines lettres. Des paillettes dans le fond des lettres. C'est magnifique. Alors là, t'as fait... Ouais, c'est pas des collages, c'est un embossage, en fait. Tu dois avoir un super classeur qui rend super bien. C'est un embossage, c'est pas des lettres collées. Et t'es venu retravailler sur tout l'ensemble. Avec cette jolie poupette, là, avec des paillettes. Magnifique. Donc, Marie Calac, oui, sur Insta, sur YouTube... Voilà, donc encore un tag de toute beauté. Voilà, vous les voyez là? Oui, vous les voyez bien. Alors ça, c'est les 5 que j'ai reçus en début de semaine. J'en ai d'autres encore, mais je vais vous faire d'autres vidéos, bien sûr. Pour pas que ce soit trop long, je vais m'arrêter à celle-ci aujourd'hui. Je vous remercie toutes les 5 pour ce que vous m'avez envoyé, c'est vraiment très très beau. Et je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye. Je reviens vers vous parce que j'ai oublié des choses dans l'enveloppe d'Anne-Marie. Alors, d'abord, je crois que je ne vous ai pas montré l'enveloppe. Je m'en suis aperçue quand j'ai emballé. Donc, sa jolie enveloppe pour mes 2000 abonnés. Félicitations. Dans laquelle il y avait sa carte. Hein. Et elle m'a fait aussi une mini PL. Regardez ça. Si c'est joli. Je crois que j'ai jamais eu... Non, c'est ma toute première mini PL. J'en ai jamais reçu. Et franchement, ouais, c'est du tissu, des strass. Il y a des paillettes. Je pense à toi, je pense à toi, je pense à toi. Donc, c'est bien sûr le nom de la série. Et c'est la 1. La 1, la 2, la 3 sur 3. Voilà. C'est de toute beauté. Je n'ai pas vu bien les papillons, là. C'est des stickers, en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, regardez. Je ne l'avais même pas vu, là. Il y avait un petit tissu, un petit ruban avec des fleurs, ici, dans le sous l'étiquette. Merci, Anne-Marie, parce que vraiment, c'est très, très chouette. Là, j'ai le même. Et là, j'ai un petit tissu jaune. Voilà. Superbe. Super. Et bien cette fois c'est fini. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas les filles, si j'ai oublié de sortir des choses des enveloppes, vous me le dites et puis je referai un petit truc pour le montrer. Bisous bisous. À bientôt. Bye.